On voit un congélateur qui doit s'excuser à genoux, qui demande pardon. Bon, ça intrigue aussi. Les, bon, on veut savoir, la population veut savoir. Non, c'est eux qui voient ça. C'est eux qui voient ça. Sinon, moi, c'est ça, moi, tout le temps, quand je passe sur le plateau, je dis congélateur, c'est mon petit frère. Congélateur, c'est mon fils. Congélateur, c'est quelqu'un que je l'ai pris et puis je suis venu avec lui. Si on est venu que c'est, les choses n'ont pas allé, je ne peux pas venir me fâcher contre lui. Je n'ai pas, je t'assure, je n'ai pas la haine contre congélateur, ni mauvais pensée contre congélateur. Bon, est-ce que vous échangez, est-ce que vous communiquez? Bon. Depuis ce qu'il y a eu cette sortie. On ne peut pas communiquer, mais moi, c'est que moi, j'ai prié Dieu toujours pour lui. Parce que même quand il était avec moi, je priais Dieu pour lui. Mais pourquoi quand congélateur te voit net l'effrayé? Je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un, j'aime l'homme. Je ne peux pas, je ne veux pas maltraiter quelqu'un. Ça me fait mal. Moi-même, quand je vois quelqu'un, on maltraite quelqu'un devant moi, là, ça me fait mal. C'est pas moi qui viens maltraiter quelqu'un. Mais pourquoi quand il t'a accusé, là, tu n'as pas porté plainte aussi, pour diffamation? Moi, je ne peux pas porter plainte contre congélateur. Je vais porter plainte contre Gouyavoua. Parce que tu as laissé comme ça, les gars vont te salir. Parce que, non, parce que je sais que quelqu'un qui ne va pas trop chez lui, je ne peux pas venir porter plainte. Boy. On va apprendre, maintenant, j'ai porté plainte contre congélateur. Moi-même, j'ai porté plainte contre lui-même, ça me fait mal. Parce que je sais que ce qu'il est en train de faire là, c'est faux. Je sais que ce n'est pas la vérité. Je ne peux pas porter plainte contre lui. Il s'est passé quelque chose entre vous déjà? Avec qui? Morissette. Tu sais ça, vous? Vous êtes parti en tournée et vous étiez dans la même chambre. En tout cas, qu'est-ce qui a pu la faire fuir? Quand une femme va fuir. Mais bien sûr, je suis un garçon. Je suis un vrai garçon. Donc, quand elle, tu as vu. Non, mais ça. Donc, attends, Maragab, donc tu es un garçon. Et si un garçon pimpant aussi, tu tombes sur moi. Est-ce qu'elle n'a pas vu pimpant là? Savoir que tu es vraiment tombé sur un garçon. Tu sais ce que je suis en train de dire? Toi, tu es parti jouer dans la première partie des gens. Mais qu'est-ce que toi, tu dois partir? Est-ce que lui qui dit ça de toi? Quand c'est comme ça, quand tu lui as posé question, tu allais demander lui-même, quand il était à Paris là-bas, est-ce qu'il a une fois joué au casino de Paris ou bien Folie Belgique? Lui-même. Tu peux lui demander? Lui-même, c'est juste. Tu as la question face à la caméra? Non, oui. Toi, tu es venu me dire que non, moi, je suis allé jouer la première partie des artistes. Mais les artistes que je suis allé jouer la première partie là, ils ne sont pas tes camarades, c'est les artistes haut niveau. Et puis, je suis allé jouer la première partie, et t'es comme artiste invité. Et puis, je suis parti, j'ai tué. Et puis, je suis venu. Toi-même, tu dis, je suis allé jouer la première partie des artistes là. Toi, tu es là-bas, pourquoi tu n'as pas joué la première partie aussi? Pourquoi toi, tu ne joues pas là-bas aussi? Posez la question. Est-ce que lui-même, sa musique là, est-ce que. Depuis combien d'années lui commence à faire musique là? Est-ce qu'il a une fois joué au casino de Paris? Donc tu dis que sa musique ne mousse pas quoi? Sa musique ne mousse pas. Je ne sais pas, vous avez quitté la bourse là, vous avez pris le pouvoir à Abidjan. Ah! Oui! Devant tous les gars qui sont ici. Oui, là. Mais si, ils sont ici, mais ils ne travaillent pas. Ah oui! Si, ils ne travaillent pas. Donc nous, on est venu. Tu es venu leur montrer comment on travaille? On leur montrer comment on travaille. Ouais. C'est vraiment maintenant, moi j'ai dit, j'ai fait couper des canines à ça pour me bouer. Tu sais chanter maintenant? Je sais chanter maintenant. Tu sais très bien chanter maintenant. Je chante maintenant. En fait, tu as fatigué les gens aussi, t'as mal à chanter là. Attends, il dit il sait chanter maintenant. Non, moi, il te lance un défi. Oui. T'as fait moi un acapella avec le nom de l'émission Fafa. Mesdames et messieurs, je vous ai parlé que l'émission Fafa, c'est l'émission qui réveille. Si tu n'as pas de talent, si tu viens à Fafa, oh, oh, mon ami, ah. Vraiment, ils vont taper un coup bon. Ils vont taper ici un coup bon. Si tu as peur, mon ami, tu vas taper poto. Avec l'émission Fafa, on fait on a déjà confirmé. Fafa. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique.